tu vois. Avec deux musiques a cappella sous guitare. Voilà, du DVD bonus. Voilà, comme ça on voit. Oupou, ouais, B-Boy, c'est pas notre map ça. Avec une petite jaquette réversible. Gros, c'est la map de l'amour. C'est la c'est map de la maison. Jaquette. Les mecs, on sait qu'ils vont commencer. Voilà, on sait qu'ils vont commencer là-bas. Les gars, deux boucliers, finalement, cette technique a pas marché. Loulou, garde ton bouclier. Par contre, Biohazard, joue avec une arme. Ah, un marteau, ça marche comme une arme aussi. Oubliez pas que d'en haut, ça jette du C4, tire l'arigot. Hein. Oui, je suis avec toi, on fait un 4-4-2, on fait tout péter. Et on meurt. Putain, j'aimerais trop faire Secret Story. Faudrait que je parle à Endemol. Il faut que j'aille dans un Secret Story. Ah ouais, j'avoue. Bah oui, mais. Mais gros, tu le battrais le premier jour. Non, mais je te l'ai. Bah oui, mais bon, ça c'est différent. Je mon secret. Se battre dès le premier jour. Non, mais. Par contre, vraiment, no fake, hein. J'aimerais vraiment faire un putain de Secret Story. Je vais essayer de taffer le dossier là avec. Pour l'année c'est prochaine. Mais oui, gros. Mais jure. Gros. Mais oui. Garage. Après, non, peut-être si tu ferais les anges. Eh, tu peux te foutre à poil sur le canapé, tu seras flouté, tu pourras bouffer toute la journée. C'est trop frais. Eh, vas-y, je vais avec toi, gros. Bah, on se foutra à poil. Voilà. On fera genre on se connaît pas, dès le début on s'est rendu. Genre je connais pas, puis deux heures après, gros. Bon, eh, on est les meilleurs potes du monde. Ouais, les gars, arrête. Ouais, foufou, il fait mal. Il est en fait. Viens, on se pipe. Ah, d'accord, ils ont cassé ici. Hein? Oh lol. Oui, manipulé. Qu'est-ce qu'ils font là? Il y a un mec qui est tombé. Ils sont perdus, les pauvres. Ouais, ils sont pas frais, hein. Ils sont pas frais. Ah non. Allez, les mecs, on est parti. Et je l'appellerai mon aventure dans Secret Story. Lourd les persos quand tu cours, putain. Non, c'est toi qui es lourd quand tu pars. J'ai l'impression que tu faisais 457 kilos. À main levée, à main levée. Oui, il y a beaucoup de succès. Tous les gars, c'est sécurisation de zone. Oui. Bah, il me semble, non. C'est sécurisation de zone avec otages. Il y a 4 otages. 12 otages. Très attention. Méfie-toi de l'eau qui dort. Laisse-moi m'occuper d'ici. Tu te sens un peu l'image. Oh. Ah. Attends, bouge pas. Aïe, aïe, aïe. J'ai ma petite technique. Regarde la petite grenade de l'amour qui m'a rendu célèbre dans le Connecticut, gros. En 1730. Ah très bien, je suis passé à côté de toi. Ah, Alfou nous a tué. Merci. J'étais à côté de toi. Pourquoi t'es passé? Non, je suis mort derrière toi, cousin. Ah non. Attends. Hein? C'est pas possible, j'étais derrière toi. Bah ouais, gros, c'est trop chelou. Parce que moi je tire. Gros, moi je tirais pas sur toi, moi je tirais sur le mec en face. Non mais il y a une balle qui a ricoché sur le mur d'en face qui est revenu. Gros, wanted. Ah. Ouais, non mais. Les gars, il y a un mec dans les escaliers. Oh là là. Allez, 2v2. Y'a pas de bug dans le jeu, oublie 2v1. Pas. 2v1. Mais gros, c'est n'importe quoi. Ouais. Tu regarderas la vote, tu me diras. Jamais je te tirerai dessus, gros. Jamais je te tirerai dessus, frérot. Du coup, ça m'a même pas compté comme un kill. Si, si. Mais j'ai tué un mec. Mais quand tu tues quelqu'un, tu perds des points. Ah donc, ouais. Et ça m'a rien fait. Mais c'est un truc de ouf. Bah là c'est trop bizarre parce que je tue des gens mais en fait je tue pas de gens. Ça t'a tué quand même. Il a un petit pièce, tu peux rentrer. Il est dans la petite pièce. Montre-le. A droite là. Non, montre-lui où il est. Non, il arrive, il arrive. Il est là. Il est sur toi. Derrière toi, Biohazard. Non mais attends gros, Biohazard il est dehors de la maison. Voilà. Mais c'est quoi cette arme? Eh, les infos, gros. Bah c'est elle mon gars, c'est elle qui est trop cheatée. Putain d'infos, moi je vais faire mon gars. C'est les violets là. Mais qu'est-ce qu'il dit? Bah c'est pas les SAS là. Y'a aucune classe de violet, t'es daltonien frère ou? Les SAS là. Oh tu vas te calmer Biohazard. Nous on te soulève nous. Bon, je comprends toujours pas pourquoi B-Boy t'es mort, mais oh, on verra ça tout à l'heure. Le mec il veut toujours calmer l'ambiance mais qu'en fait toujours trop. Ah stop, stop a back and down. Je fais la voix dans le mec qui se garde très près des motos dans la pub là. Ah c'est portable. Get on the ground. Il est buté là dedans. Ah c'est infâme. Salope. Les gars, je mets un anti-grenadier si vous voulez.
Ah, vas-y, baisse-toi, loulou, quand j'arrive, ça fait plaisir. Il veut... Ah non, j'ai pas les gilets, j'ai les murs. Il veut de la saucisse de Francfort. C'est Francfort. Le mec, il pose un petit sachet de saucisse au milieu de la pièce. Tout le monde prend une saucisse et tout le monde se barre. Bon, j'en force la trappe. Non, bah non, c'est rien. Que vous êtes. Ce serait drôle, vraiment. Ce serait vraiment MDR, comme ils disent les jeunes. Franchement, XPTDR. Attends. Eh bah, allez pas me tuer, les mecs. Moi, là-bas, je suis là, je suis tranquille. Mais mon millésime, ma plus belle année. Protégez le conteneur radioactif à tout prix. Tu me pompes le dard. Bon, les gars, attention. Je cours, je me mets ici. Voilà, bébé. Admirez la technique ancestrale de Kenjiro Sama. Oula, damn! Je vous ai mis des Jaggers au point Capito. Hein. Ni prêt à éclore. Ah ouais, y'a personne qui a fermé là, je suis pas bien. Mais ils sont passés par où là, le garage ou? Fenêtre. Oh, y'a pas. Il doit être en rappel lui. Ils sont énervés, non? Ouais. Quoi, c'est déjà là? Mise en place de C4. Activation C4. Oh bah alors. Excellent. On monte sa tête, on se prend des balles. Excellent. Oh, tu vois, j'ai tiré deux balles n'importe où, c'est B-Boy qui va mourir. Oh. Ah, j'ai pris une tête, c'est quoi ce délire? Faut qu'il me tire dessus là. Voilà. Un dehors, je crois. Mais il va te tirer d'où? Mais de dehors. Bah c'est moi gros, oublie pas que. What? Wesh. What? Il tire où lui? Wesh. Oh, y'a un bug. Oh non, pas encore. Regarde, il tire là. Ah oui, il tire là. Genre, il tirait là, ça te touchait, alors? Ah oui, je suis. Ah non, vas-y, abuse pas. Là, je le touche depuis tout à l'heure, les gars, y'en a un, vous l'avez vu. Par contre, les gars, si vous y allez tous en même temps... Attendez, regardez. C'est lent, ça. Tu l'entends tousser, là? Tu l'entends tousser? Dégage, voilà. Les gars. T'as vu? Il toussait, t'es là. Ouais, il était dans le mur. Non, il était pas dans le mur, hein. Je me battais avec lui depuis tout à l'heure. Là, vous avez fumé, les mecs. Oh, bah, c'est son gaz, là, gaz moutarde, là. Gros, il a mis une moutarde de Francfort. Vas-y, je reprends un chou. Et je reprends Théa, mais là. Ma plus belle année. T'as, Pascal Obispo, quand je le vois, il va lui mettre des coups de couteau. T'es pas, il a une tête à se prendre des coups de couteau dans une rue sombre, tu vois ce que je veux dire? Genre le mec il chante et d'un coup un coup de couteau. C'est BAM, un coup de couteau dans le ventre, il fait ah, il est pas bien. Il fait ah, mon millésime, ma plus belle année. Super la voix de B-Boy. Eh les gars, j'ai ce qui s'appelle une voisine, ok. Elle va venir en rappel par chez moi, elle va m'arracher. Elle va te jeter un C4, elle va je vous faire. Les gars, j'entends un bruit de corde. Tu sais, elle descend progressivement, tu vois un petit bout de tête. Ils sont au garage, les mecs. Putain. Descends comment là-dedans, la merde. Ah, je jure, c'est fait un bisou. Oui. Ah, c'est là. Et tu sens que ça sent un peu la machine à laver là-dedans, tu vois. Ouais, une buanderie. Ouais, la buanderie, là. La célèbre buanderie. Son garage et la machine à laver en même temps. Non, mais le mec, il a quand même une salle de sport, sa mère, dans son dans sa maison, quoi. 10 secondes avant insertion. Oh, mais gros. Plus que 5 secondes. Ouais. Allez, le mec, on les arrache. Rejoignez l'emplacement. Je me suis gavé encore sur tes côtes, gros. Bah, qui à moi? Bah, je sais pas, au drone qui était en hauteur. Ouais, c'était moi. Ah, voilà. Vas-y, viens, on va ouvrir tout ça là. On va écarter des fesses, mon pote. Ah, ça, alors là, je te suis. Vas-y, t'es prêt, ma petite gueule? J'arrive ma gueule, attends, Will! Vas-y, viens à droite, vas-y, pose direct à droite et viens à gauche. Vas-y. Là. Oh là. Allez, dégage. Rentre à la maison, frérot, t'as pas l'âge. C'est qui
s'est fait enculer comme en 1730 avant Jésus-Christ. Ouais, shoot. Un touché qui arrive vers toi, Alfoui. Il est vers toi. À toi, Alfoui. À toi de jouer. Jam. Ah ouais, vous vous rentrez comme si c'était à la maison là-dedans. Attendez, j'envoie mon robot vite fait, bougez pas. Bougez pas, le temps que. Je suis pas bien. Reprenez la sécurité. Là ! Oh là là. Y'a un coup de pompe. Les gars, y'en a un. Ici, regardez, je vous les ping. Un là, direct. Il y a le fouille. Ah, je l'ai touché ! Vous pouvez rentrer, vous pouvez rentrer. Comment ça, on peut rentrer, il est où ? Ah, il est dans l'autre pièce. Ah, désolé, je t'ai touché. Ouais, voilà. Gros, c'est pas grave. Désolé, les gars. T'as dit, ah, je l'ai touché ? Je dis, ouais, je l'ai touché aussi. Regarde, j'arrive, je sais qu'il était à gauche et toi, t'as reculé. C'est pas grave. Ah oui. C'est punitif, gros. C'est punitif. Tu es mon millésime. Oh là, oh là, les gars. C'est avec nous, y'en qui est tombé, il est mort pour de vrai, moi. L'important, c'est pas la chute, c'était l'atterrissage. Voilà. Bon, les gars, on va au garage. Vous êtes de belles grosses salopes, de belles grosses salopes. Et ça suce. T'imagines Patrick Sébastien en son émission un jour, il se ramène et tout. Et vous êtes des grosses putes. Allez, Mireille, venez sur scène, Mireille. Non, il arrive, il est là. Ouais, allez, les gars, c'est la fête, tout le monde se lève. Et vous êtes des fils de pute tous ensemble. Vous êtes des gros malcrains. Je te dois te Mireille. Voilà. Après, il la pousse, il met des grands chassés. Un petit doigt dans le cul. Parce que ça reste quand même Sébastien. Ah, et on y fait, le sujet de Mireille. On se lève tous et on se met un doigt dans le cul sur le tutu. Vous êtes choqué, mais en même temps, il danse. Tu vois. Et ça commence avec un doigt, puis deux doigts. Et on met la main. Et ça finit avec 5 blagues dans une cave. Ouais. Oh, comment tu t'appelles ? Thibaut, oh, t'as quel âge, Thibaut ? Et ça, c'est oh, le jeu de ta mère, Thibaut ! Thibaut, on te met un doigt dans le cul, allez ! Tu pars trop en couille, toi. Non, Alphouille, non ! Non, c'était une blague. T'imagines le mec du GIGN ? Les gars, c'était une blague. En fait, y'a pas d'otage, on se casse tout. Tiens, hé, Alfoui, regarde. Ouais, bébé. Ça, là, je bah, la fais pas ça, la blague. Sors ma lunette, gros, pose ça sur ma lunette, y'a des ventouses. Comme ça, partout où je veux, le truc est avec moi. Excellent, et puis au hasard. Par contre, savez-vous pourquoi la vache qui rit ? Elle fait pipi au lit. T'as arraché. Ouais, c'est tous la fête pour Jojo. Ah merde, ça coupe là, merde. Patrick Sébastien. Mais rien que tu te dis dans ta tête, Patrick Sébastien, t'es pas prêt, tu vois. Tu sens le mec. Elle est où ta maman? Elle est là-bas. Eh ben je la baisse ta mère. Voilà, tout le public qui m'a dans le cul. Et on y va dans le cul, on renifle le kiki. Ton père est pas là, tant mieux, c'est qu'un grand con. Oh mais ça serait énorme. Et t'as une sœur? Vas-y, on lui met un doigt dans le cul aussi. Allez, tout le monde à la queue le leu, je vais botter des culs. Oh mais non, mais... C'est bon, vous y arrivez ou quoi là? Parce que là on rigole, mais... C'est la crise. Le hasard derrière la voiture de police à gauche. Ah putain, gros, je rigole, je pleure, je peux plus jouer. Jojo, fais gaffe. Oh, j'ai touché. Il est trop excellent. Mal. Excellent. Tu t'appelles comment, Henri? Baptiste. Quel âge as-tu? Tu t'appelles comment, Henri? C'est le manque de respect total. Oh, c'est le petit Enzo. T'es très moche, Enzo. Il a dit, t'es très moche, t'es où, ta mère? Ah bah, t'es très moche, ta mère. Je m'appelle Baptiste. Tu t'appelles comment, Henri? Tu t'appelles comment, Baptiste? Ah, d'accord, Thierry. Tu t'appelles comment, Henri? Tu m'appelles Baptiste. C'est le mec incompréhensible. Tu t'appelles comment, Henri? Tu t'appelles comment, Henri? Je m'appelle Baptiste. Oh, ta gueule. Ta gueule, on s'en fout. Et Henri nique sa mère. Et on sait, et ta maman est dans le public. Non, c'est ma mamie. Oh, qu'elle est moche. Oh. Attendez, les gars, je peux plus jouer.
Oh putain, tu t'appelles comment Henri? Je m'appelle Baptiste. Il m'en bat les couilles, tu t'appelles Henri maintenant. Oh putain. Ah putain. Oh, putain. Oh, les gars, je suis pas bien. Là, je suis pas bien, les gars. Là. Ah, là, c'est lent. Je suis de une tête, mon gars. Bazar, il va pas. Gros, je vois plus rien, mais le gars, il est en pleine larme. J'ai l'impression de nager dans un aquarium. Eh ben. Ah putain. Très bien, très bien. Cette soirée est dingue, mais attendez, je sais faire un petit rail de coke. T'as laissé, il se tape un rail de coke sur scène. Ah, ça fait du mal sur tout le nez. Qui en veut? Ah, on fait trop cher. Ah putain. J'en peux plus. Oh putain, on a gagné les gars, mais moi je vois plus rien les gars, attendez 2 minutes. Gros, je pleure, je suis pas bien. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile, ouais, on fait 3-0 quand même, tu vois, mais bon. Oh putain, j'en peux plus. Oh, gros, je pleure tellement que je me suis essayé avec mon t-shirt. Allez, je fais un concours de t-shirt mouillé maintenant. Les gars, gros, on fait une dernière victoire et après on va tout faire. Vas-y, c'est parti. Allez, une dernière victoire, les mecs. Regardez mon rang de merde, il est dégueulasse.